C'est pas bloqué ? Il est justement là pour tout débloquer. Oui, bonsoir, ça fait un mimeur, kiné du CSM. T'as craqué là ? Non ? Il est bon ce mec. Ah, ça. Et il s'affaire auprès de chaque joueur pour le remettre en condition physique optimale. Le moins que l'on puisse dire est que cette saison, il n'aura pas manqué de travail jusque dans les vestiaires pour remettre tout le monde sur pied, comme le capitaine Jérémy Valmy. Ou, bien sûr, Ludovic Botin. Ok. Donc Ludo doit se retenir, de contrôler, de redonner, ne va pas partir dans des courses exceptionnelles, tu ne vas pas y arriver. D'être efficace, de haut but, et de remettre en profondeur celui, ce qui te demande. Allez, eh bien, on y va. On va revenir au combat, là. Allez, c'est reparti là. Ludo a également pu bénéficier des soins adéquats afin de tenir son rang lors de la finale de la LAF remportée en Martinique. Et pour revenir à Jérémy Valmy, s'il a pu tenir vaillamment sa place, comme toujours, c'est parce qu'il s'est astreint à un strict suivi des soins prodigués par sa fère, tout en blaguant avec le jeune fils de l'ostéo. Tu seras kiné toi ? Mais non, il est joueur. En fait, on va miser si miser c'est un joueur, miser c'est un joueur fort propre. Là, voilà, miser c'est habillé tout du Paris Saint-Germain, go bras en Marseille. C'est bon, c'est bon. Quant au dévouement du praticien, il n'a d'égal que l'amour qu'il porte pour le club. Et l'on revient ainsi à la notion de famille qui, elle aussi, garantit la réussite des bleus et blancs. Tout le monde sait qu'il s'affaire. Non, mais l'absus révélateur, c'est t'as tout à fait raison. Voilà. Merci, bien. Thanks. Ok, merci, chef. Cédric, toujours posé, tranquille, fait pas de bruit. Salut, c'est Cédric Vamur. Il s'impose pas. Il est pas comme certains. Il vient pas à minuit. Tu vois, à ce moment-là. Enfin, on est habitué. Il est bizarre. Oui. Non, c'est vrai, frère. Fais pas respecter à rien, frère. Moi, on va pas voir ça. Non, au cabaye, au cabaye, au coup de porte. On dit si on dit j'étais papa, dis ça, dis j'étais papa, dis j'étais papa. Comment il s'appelle celui qui est mort là ? Il va te miquer. Ouais, il va te miquer. Et tu vas pas le couvrir. Moi je vais pas couvrir. Dis, tu couvres pas. Pour résumer, lorsqu'il s'affaire, son métier consiste à leur faire du mal pour leur faire du bien. Avoue quand même que c'est tiré par les cheveux, non ? C'est bien pour ça que ça fait mal. Ça mange pas de porc, quoi. Et au final, notamment... Ça fait un bien fou à tout le monde, et ça fait la vécu intensément, en famille.